à la rigueur qu'on impose une espèce de charia morale ou de charte morale là-dessus, ça me va, pourquoi pas, mais il faut qu'on l'applique partout, quoi. Ça veut dire qu'un député qui a été condamné, il n'a Ouais. pas le droit de revenir à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'un ministre qui a été en procédure là-dessus, sur ces affaires-là, il n'a pas le droit d'être ministre. Ça veut dire que l'éthique, si tu places le truc sur le niveau de la morale, faut que ça s'applique dans toute la société. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas. Et je trouve que c'est quand même profondément injuste que dans le milieu du cinéma, on te fout au pilori parce qu'il y a quelqu'un qui dit, eh ben moi j'ai été victime de ça. Et on s'en fout de ce qui se passe à la Après, on justice le fout derrière. pas au Suffit pilori. que la victime dise « Moi, j'ai été victime » pour que le mec, il soit cloué au pilori, quoi. Mais Quel que personne, soit ce qu'il a juste fait, y compris s'il a été innocenté par la par justice. ailleurs, on Et parle ça me d'être gêne, jury moi. pendant Voilà. quelques jours dans Ça un me gêne. festival. On parle pas d'interdire son prochain album Mais ou moi, ça me gêne. d'arrêter sa tournée, hein. Mais c'est Faut qui ces aussi savoir de gens-là? quoi on C'est qui parle. ces gens-là pour passer outre une décision de justice, quoi? Charles. Moi, je pense que ça fait longtemps que le cinéma a complètement quitté la sphère de l'art pour être à 100% dans la sphère idéologique, malheureusement. Il n'y a plus aujourd'hui quasiment d'œuvres d'art au cinéma, il n'y a plus que de l'idéologie, il n'y a plus que de la propagande. Et donc, les événements qui se déroulent autour du cinéma sont victimes du même mouvement. Aujourd'hui, toute cette sphère a comme obsession unique de sacrifier à tous les ingrédients du wokisme. Donc, vous ne pouvez plus faire un film si votre film ne parle pas soit et ou des LGBT, des personnes racisées, des violences faites aux femmes. C'est vrai que le Comte de Monte-Cristo qui est en salle en ce Voilà. moment, ou regardez tous les Alors, films voilà. qui étaient en salle cet été, C'est marrant, ils c'est n'ont toi rien à qui voir me avec coupe le la wokisme, parole. c'est juste des bons C'est films. marrant, Flora. Moi, Ah je ben ne je t'ai me pas suis pas coupé la interdite, parole, je me suis pas contrairement à ce interdite de le que tu faire. dis. Et justement, les rares moments où justement le cinéma s'éloigne de cette fange. Et oui, il s'adonne à raconter simplement une histoire Non. avec le Comte de Monte-Cristo, Bah oui. avec Personne n'a critiqué. les films de Cédric Jimenez, etc. Là, il y a du public. Tiens, c'est drôle quand on raconte une vraie histoire avec des vrais costumes, quelque chose qui est chronologique, quelque chose qui est inspiré de bons livres. Et quand on nous bassine pas, tiens, je suis étonné d'ailleurs qu'il n'ait pas fait Edmond Dantès noir. C'est bizarre d'ailleurs. Ou gay, mais bien sûr, mais bientôt. Mais j'attends le biopic sur Mais Delon quel est le rapport avec Ibrahim Omar Sy Malouf dans le rôle d'Alain Delon. Avec Ibrahim Malouf d'ailleurs. Eh bien, les événements autour du cinéma sont frappés par le même mouvement woke, qui est un mouvement en réalité de Khmer, là encore. Et donc, vous n'êtes jamais assez pur pour eux. Et donc, même quand une cour d'appel vous a relaxé intégralement, c'est-à-dire a reconnu l'intégralité de votre innocence, en fait, il y a quand même un soupçon. Et d'ailleurs, Flora le dit elle-même. Il y a la question, oui, il y a la question morale. Judiciaire, Et la morale. d'accord. Mais il y a la Non, question culturelle. j'ai pas dit morale, Non, j'ai mais dit attention, culturelle. voilà. Et Mais bah donc, oui. le culturel, c'est formidable. Mais moi, Le culturel en fait, la est présidente du jury, une ça prend le instance temps. supérieure à l'instance Alors attendez, judiciaire. Parce que je voudrais qu'on voit C'est ça. quand même Non, mais avec c'est du délire. Maître Fanny Colin, bonjour. Excellente avocate, excellente conseillère. Merci. Donc, nous sommes avec. Merci Charles. Ah, voilà, vous connaissez donc. De réputation. Qu'est-ce que, est-ce que vous avez demandé des explications précises à la présidente du festival alors, La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il est absolument faux et mensonger d'affirmer qu'Ibrahim Malouf aurait reconnu les faits. Il est faux et mensonger d'affirmer qu'Ibrahim Malouf aurait reconnu avoir embrassé cette jeune fille. Il est absolument faux et mensonger d'affirmer qu'il y aurait eu des sextos échangés. Et j'invite Flora, pardon, je n'ai pas votre nom de famille, Gevalis. À venir voilà, tout, très officiellement à mon cabinet pour consulter l'intégralité du dossier de la procédure. Parce que affirmer sur les ondes que les faits auraient été reconnus par Ibrahim Malouf, c'est très grave, parce que c'est D'accord. faux. Et sous le contrôle de Charles Consigny, qui sait bien cela, si M. Malouf avait reconnu avoir embrassé une jeune fille de 14 ans, il aurait été tout simplement condamné. Or, ça n'a pas été le cas. Sa relaxe est une relaxe totale, est une déclaration d'innocence. D'accord. J'ai lu ça dans Ouest France, donc excusez-moi, Mais... c'était un communiqué de presse qui était relaté dans Ouest France. Donc, c'est une information mensongère. Alors, bah, et du côté de la direction enfin, du festival, travail, on s'est peut-être. placé donc uniquement du point de vue moral, quoi, en fait, c'est ça un peu.
Alors, on ne sait pas trop de quel point de vue on s'est placé, parce que les explications de la présidente Audebert sont pour le moins confuses, d'accord, pour ne pas dire sibyllines. Donc, on ne comprend pas bien. On nous parle d'un malaise. Donc, si cette nouvelle directrice n'est pas capable, n'est pas suffisamment compétente pour régler un malaise supposé dans ses équipes par le dialogue, par exemple, ou par des explications, effectivement, c'est son problème, mais ça ne justifie pas qu'on sacrifie, je crois que le mot est juste, l'honneur d'Ibrahim Malouf en l'écartant à quelques jours de l'ouverture du festival, de ce jury. Il y a également l'idée que l'actionnaire américain du festival aurait protesté ou demandé des gages, et donc c'est la tête d'Ibrahim Malouf qu'on a coupée. Aujourd'hui, c'est celle d'Ibrahim Malouf, demain, ce sera la vôtre, la mienne, celle de mon confrère Consigny, que sais-je encore. Mais c'est donc, ça veut dire que vous n'avez pas eu d'explication ou d'argument sur le fond étayé, sérieux, alors, si je comprends bien, madame. Les seules Collin. Explications que nous les avons lues dans l'interview de madame Audebert dans la tribune. Cette interview, elle a été précédée d'une demande à M. Ibrahim Malouf de bien vouloir se retirer en toute discrétion, et je cite là la direction du festival, ce que naturellement il a refusé, parce qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait, ni d'un point de vue pénal, ni d'un point de vue moral. Les choses sont acquises. D'accord, donc c'est une espèce de censure, quoi. Enfin, il a été cancellé, comme on dit aujourd'hui, quoi, en fait. C'est oui, ça. Il a été cancellé, ce qui est absolument déplorable, quelle que soit la personne qui en est l'objet. Et c'est encore plus écœurant pour ce qui concerne Ibrahim Malouf, parce qu'en l'occurrence, et pour ce qui le concerne, il n'a radicalement rien fait. Donc on peut même tenter de se placer, si on veut justifier à tout prix cette décision injuste sur le plan moral, ça ne marchera pas pour ce qui concerne Ibrahim Malouf. Est-ce que vous allez porter plainte du coup contre le festival? Alors, la direction plainte, du festival, parce qu'il n'y a pas d'infraction pénale qui s'y commise. Ce qui a été évoqué, ce que nous allons faire, c'est une action judiciaire, c'est-à-dire une action en responsabilité civile, pour qu'il soit, et c'est ce que nous allons demander aux tribunaux, acté que la décision de la directrice du festival de Deauville est une faute, constitue une faute. D'accord, ok. Merci Maître Fanny Collin. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir donné ces explications supplémentaires. Ouais, c'est un peu comme vous qui êtes du showbiz, vous pouvez éclairer ma lanterne de paysan. C'est qui l'actionnaire américain du festival de Deauville, vous savez? Je sais pas. Non, vous savez pas. Mais bon, une société de production, c'est quelqu'un qui américaine. Se cache. En général, ce festival, c'est je crois que le maire de Deauville fait partie du jury. Mais c'est une institution, le festival du film américain de Deauville. Ah, oui, oui. Il y a des acteurs et des actrices américaines. Non, mais par rapport à la thèse de Charles et la progression des idées wokistes. Peut-être mais que où quand c'est même, la présidente, mais c'est la tout. Présidente qui a été faible. Comment s'appelle cette présidente? Attends, je vais retrouver son nom. Je vais te dire que nous jetions son nom en pâture ce matin. Audebert. C'est Madame Audebert. Bah, elle est très faible. Il faut lui dire, si elle nous écoute, que présider un festival, ça demande quand même des nerfs, un peu de colonne vertébrale. Non, et on n'est pas obligé de s'incliner devant toutes les imprécations des réseaux sociaux. Oui, mais tu dis ferme et courageux au regard de quoi, c'est ferme et courageux, puisqu'il conteste les faits. Puisque Laura, c'est surtout qu'il a été relaxé, tu vois, total. Et la relaxe totale, ça veut dire que il y a plus rien. Lui plus... dit et qu'il n'a ailleurs, pas embrassé attendez, cette jeune par fille. Ailleurs, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu en fais quand même C'est comme enlever de la télévision les films de Depardieu, tu vois. Moi, c'est le truc que je comprends qu'est-ce que pas. Qu'est-ce que tu c'est un peu la même chose. Du fait qu'il conteste d'avoir embrassé cette jeune fille. Personne n'a dit que Ibrahim Malouf n'avait pas le droit de sortir un album ou de faire une tournée On te parle du jury du festival jury américain. Qui choisit son jury et qui, excusez-moi, ça ressemble plus à l'affaire de Guillaume Meurice où personne n'a remis en question sa liberté d'expression, mais la présidente de Radio France a dit j'avais des désaccords personnels. D'accord, mais donc sur la base de quoi? Cette décision, du et coup, elle est fondée sur quoi sur la base, de malaise au sein du jury, c'est ce qu'ils disent au regard. De la liberté d'arbitrage d'une présidente oui, de mais festival. Donc, et donc elle arbitre enfin, vois, en fonction de quoi? En fonction d'une volonté d'exemplarité du cinéma. Mais d'exemplarité par rapport à quoi? Par rapport à une époque qui a changé. Mais par et rapport à quoi s'agissant d'Ibrahim Malouf? Et une industrie qui a été très dangereuse. Par rapport à quoi s'agissant d'Ibrahim Malouf? Parce que le dossier, il n'y a rien dans le dossier, il a été relaxé. Non, mais je veux avoir la réponse de Flora. Par rapport à quoi s'agissant d'Ibrahim Malouf? Moi, j'ai lu dans Ouest France. Non, mais Ouest France, d'accord. Choses. Donc maintenant, si Ouest France, l'avocate d'Ibrahim Malouf, elle ferait bien d'attaquer aussi Ouest France, Mediapart et l'association toi, des acteurs donc Flora, en diffamation. Flora, parce qu'il y a les trois plaît, qui corroborent Flora, ce que j'ai qu'est-ce dit. Qu'est-ce que tu reproches à Ibrahim Malouf? Alors, personnellement, je ne lui reproche rien. Qu'est-ce qui peut être reproché à Ibrahim Malouf?
Personnellement, je ne lui reproche rien, mais je défends une ligne MeToo depuis le début, être qui est qu'il y a deux sujets, le sujet judiciaire et le sujet culturel. Flora, voilà, dans le cadre tout. De MeToo, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut non, être rien, reproché Charles. À Ibrahim Charles. Il n'y a rien qui peut le Ces gens reproche. Sont des Khmers rouges. Ben, ces gens sont des Khmers rouges. C'est des gens qui, à d'autres époques, vous auraient exécuté. Alors, attendez. Ibrahim Malouf écarté, est-ce que c'est injuste, oui ou non? Vous avez écouté c'est la discussion. C'est injuste à 60%. Flora, il rêve. T'as 40% avec toi, quand même. Bah voilà, Flora. Et je vais vous dire la mesure qu'il y a dans nos sondages en fait. Aujourd'hui, c'est l'effet Grillo. On a apporté de la nuance au pays. C'était terrible. C'est terrible, quand même, Flora. C'est que avec une rumeur, on peut désinguer quelqu'un. C'est ça. Merci à tous. C'est fini. Si t'as dit ça. Estelle, s'il te plaît. Tu as fait le retour d'Estelle Denis. Regardez avec son t-shirt Love. Mais oui, de l'amour, les amis. Parce que maintenant, tout va être mousse et pas en pris sourire chez Estelle. Oui, enfin, il y a du sourire, mais il y a du débat quand même. Hein. Mousse et pampre. Ça veut dire quoi? Rien. Rien. Mais ça lui fait plaisir. Donc ça si va ça être lui joli fait plaisir, et peutré. Ça me fait plaisir. On aura Pierre et Collégas, Jérôme Lavrieux et Yael Mellul. On va parler d'Emmanuel Macron, évidemment, qui continue à consulter pour le poste de Premier ministre. Un gouvernement de gauche sans LFI, est-ce que c'est la bonne solution? On parlera d'un centre Abbé Pierre dans une petite commune qui va peut-être être débaptisé. Parce que vous savez qu'il a été accusé d'agression sexuelle. L'abbé la tripote. Est-ce que c'est logique ou c'est choquant? On parlera du succès grandissant des croisières, est-ce qu'il faut surtaxer ces voyages pour lutter contre la pollution et le surtourisme? Et puis, ça ne nous a pas échappé, la rupture de l'été entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. On y croyait tellement à cette deuxième histoire d'amour. Est-ce que se remettre avec son ex, c'est finalement une bonne idée? Ça, on en parlera à 14h. Si vous êtes remis avec votre ex, que ça s'est bien ou mal passé, ben vous nous appelez au 3216, on en parlera. Allez, bonne émission et nous, on se retrouve demain 9h, bien sûr. RMC, midi 15h, Estelle Midi.